Hello à tous, ici Gaius de Full Game Record, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode consacré à Deathloop. Donc on est parti, comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode précédent, pour aller infiltrer Updarn et essayer d'assassiner, enfin, essayer d'abord d'établir le plan, très important, et ensuite assassiner donc les deux visionnaires, Alexis et Egor. Alors j'avais stipulé que j'aimerais bien partir sur un build avec éventuellement Ether qui nous permet de devenir invisible, mais je pense que je vais partir sur Fugue. Alors vous allez me dire pourquoi? Tout simplement parce que je me dis que si on a un pépin avec l'un des PNJ, au moins on pourra l'utiliser pour s'en débarrasser facilement et se trier un chemin. Parce que normalement on doit arriver jusqu'à sa platine, mais sans se faire voir. Donc on va essayer ça. Et donc, c'est parti. Non, je suis très doué, c'est tout. Tu sais combien de fois j'ai tué les visionnaires juste pour le fun? Si j'étais si malin, je me serais cassé d'ici depuis longtemps. J'ai envie de partir, et pourtant tu as choisi de rester plus de fois que je ne saurais dire. Cette fois, c'est différent. J'imagine que t'as raison. Je te souhaite une mort des plus atroces, Colt. Du fond du cœur, vraiment, je le pense. Pas si je te trouve le premier. Ok, donc, je vous avais expliqué qu'il y avait un coffre dans l'épisode précédent. Je vais vous montrer où il se trouve. Alors là, regardez, hein, on va utiliser Fugue. Et voilà, hop. Et ils vont se tuer les uns les autres. Ça va être trop bien. Voilà, impeccable. Trop cool. Trop cool, vraiment trop cool. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, je pars du principe qu'il y en a deux. Je vais essayer de faire ça. Qu'est-ce que je peux faire? Faut que je passe par là. Je peux essayer de faire ça. Voilà. Un agent du changement. Eh oh. Oula. Cool. Ah, sympa ça. Allez, on va se tirer là. Alors eux là, ce qu'on va faire, bon, on va les dégommer comme ça. Voilà, il va buter ses potes pour nous. Comme c'est pas formidable ça. Alors, il y a pas du résidium là quelque part qui traîne? Ah si, il y a du résidium. Formidable. Alors, on peut essayer d'aller... On peut essayer d'aller là rapidement. Pour activer le premier code. Et ensuite, on ira directement voir Dorsey. Troïka. Nickel. Et là, par exemple, si je fais... Naut, débarquement.
Voilà. Ok, donc on a le premier. Je me demande ce que c'est, ça. J'ai l'impression que c'est une espèce de vaisseau ou un truc comme ça. Je pense qu'on va l'utiliser pour se barrer de l'île. Alors, ce qu'on va faire, on va saboter en fait le pas les plans de Franck, mais on va saboter les feux d'artifice de Franck pour pouvoir le buter en même temps. Je pense qu'on peut en avoir trois d'un coup. Ouais, je pense que la première, ça sera la secte là en fait, la nana avec sa secte. Ok. Il m'a vu ou pas? Je pense pas qu'il m'ait vu. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ok, on va passer par là. Ah ouais, y a un truc là. Une breloque. Et on court. Voilà, lui je pense qu'on va l'assassiner comme ça. Je pense que ça va exploser. Et il faudra modifier son... Il faudra saboter pardon les feux d'artifice le matin. Je suis désolé, je suis concentré. Je dis un peu n'importe quoi. On va aller par là. On peut aussi, je crois, saboter le canon, là. On peut saboter le canon. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut... Dommage. Je pense qu'on peut le faire. Non, on peut pas. Et si je fais ça comme ça? Là, on peut. Impeccable. Lui, j'ai bien envie de l'avoir. Mais d'abord ses potes. Alors lui va se faire descendre, c'est une certitude. Lui il est sous. Je sais pas où sont les autres. Alors il revient, on va passer par là comme la dernière fois. On va s'infiltrer directement dans le complet, dans le manoir. Et là il y a un canon, mais je me demande à quoi il sert. Est-ce qu'on peut tirer et il peut lui descendre Franck, on va voir. Je pense qu'il y a matière à faire là. Allez, il est où le pélo là? Allez, tombe dans mon piège. Ah, il vient pas, ok, on va aller se le faire. Alors là, il y a quoi là? Est-ce qu'on peut tirer? Oula merde. Non, je vais faire ça. Et je l'avais pas vu elle par contre. Voilà, allez, tire sur les gens. Il a pas tiré sur les gens, si? Il va par là-bas, ok, d'accord. Pourquoi pas? Et elle? Voilà, elle est tombée. On peut tirer là? Non. Faut un boulet de canon, quelque chose. On va voir, bon, c'est pas grave. Thank you.
On pirate la tourelle. On va la déployer aussi. On va récupérer ça. Il y a du résidium par là ou pas? Non, pas forcément. Il y a du monde ici? Non. Ok. Là, j'ai pas encore saisi le truc. Comment faire pour les... pour les buter. Il y a certainement une chose à faire. Pointe encore ta tête ici. Et je la dévore. Mais non, t'inquiète pas. Les joies du piratage. Il y a quelque chose là ou quoi? Non, que dalle. Ah, il était là, pardon. J'avais oublié où il s'est trouvé. On va rentrer dans l'appart. Fais gaffe qu'il n'y a pas de mine. Non, ok. Aïe 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 aïe, ça a été défoncé. On va voir sur le minicom, est-ce qu'il y a... Non, tout est lu. Ah, ils ont fouillé hein, toute la baraque. Ils ont fouillé toute la baraque. Pas quelque chose, non, rien de particulier. Donc, on infiltre. Ah, Juliana part en chasse. Ok. Tous les pions sont sur le plateau. Olé. Le gagnant remporte tout. Je pense qu'elle est quelque part par là, Juliana. Alors. Elle a mis des mines ici. On peut essayer de pirater l'antenne. Je crois qu'elle est par là, ouais. Elle arrive, la voilà. Elle est descendue. Comme elle est invisible et que je la vois pas, ça me fait un peu chier là. Ouais, on va quand même pirater ça. Allez, Juliana, montre-toi. C'est elle. Pensez. Non. Ouais, la voilà, la voilà, la voilà. Ok, on l'a eu. Je voulais pas faire de bruit avec les silencieux, mais ça n'a pas fonctionné, dommage. Je me sens parfaitement bien. Dommage, dommage. Oula, merde. Dommage, 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 dommage. J'espère que ça va pas foirer le plan. Je pense pas que ça ait foiré le plan. Alors, on va récupérer un peu les modules. Bim, bim. Avec quoi? Le canon inflige des dégâts supplémentaires aux ennemis marqués. D'accord. Bon, c'est pas la peine, on l'a déjà. On peut le récupérer. Ne serait-ce que pour le... Ne serait-ce que pour le... Ça, c'est quoi? Renforce chaos. Ok. On va récupérer le résidium. On peut le récupérer pour le démanteler par la suite. Regagner de l'énergie en infligeant des dégâts aux ennemis lorsque KO est activé. Ah, ça c'est pas mal ça. C'est-à-dire que KO reste indéfiniment. D'accord, ça peut être intéressant.
Donc inflige des dégâts supplémentaires, on peut le prendre. On peut le prendre. Alors, il n'y a pas les atouts que j'ai là-dessus, forcément. Mais c'est pas grave, étant donné que ça va repopper. Au début de la journée. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller liquider un peu tout ce monde-là, en haut. Voilà. On va aller ici. Il y a celui-là, là-bas. Je suis annonce du programme R, terroriste. Avertissement. Mauvais fonctionnement, suivez-vous. Votre puissance. Je peux le tuer, mais... Il va me faire voir. Sous contrôle, souvenez-vous, obéir aux règles du programme Eon. Protégez la boucle, profitez de votre journée. Alors en attendant qu'il pisse, je vais regarder si on a des indices sur... sur Updam. Non. Il y en a un ici, d'accord. Ok. Voilà, on va passer par là. Je vais vous montrer le coffre en fait, où il se trouve. Alors le coffre est là. Il y a une espèce de coffre là avec certainement un module. Non, je pense pas que ce soit un module, plutôt une breloque. On a la note gribouillée, je vous la mets. Et on a l'énigme en fait. Et je suis allé en fait voir un peu partout, ici, ici et ici. Mais j'ai pas trouvé grand chose. Je suis même allé voir ici. On le fera si vous voulez une fois qu'on aura éliminé les autres, mais... J'ai pas trouvé. Peut-être que c'est pas au bon moment de la journée. Certaines des endroits indiqués portent des plaques concernant Marie Lapoisse, qui a fait des glyphes, Montag, un jeu secret, failli tomber en y allant ce matin. Je vais finir avec ma propre plaque de poisse si je ne fais pas attention. Est-ce que les sommets indiquent d'autres positions relatives à la première? Oui, c'est encore à confirmer avec le premier glyphe. Donc on verra. On essaiera d'aller voir un petit peu ici s'il y a des trucs, en particulier. Mais pour l'instant, on va essayer d'infiltrer ça. Il faut vraiment y aller en mode fufu là. Parce que sinon, on est mort de chez mort. La mission est annulée. Et ça, c'est vraiment dommage. Voilà, le manoir d'Orsay. Alors, on peut passer par là. On va monter. Voilà, il y en a un ici. Celui-là, il faut se le faire, par contre. Celui-là, il faut se le faire. Mais pas maintenant. Pas maintenant, pas maintenant. Je vais aller là. Voilà. Je vais fermer la porte. Impeccable. Alors là, ce que je vais faire, en espérant ne pas me faire voir, c'est que je vais aller là. Ensuite. Ici, et là, il faut que je change ici. Ah, la charte des affichages sont surpris. Viens monter à nos oreilles, socialité. Tu crois que tu as mixé? Ok, donc il y a certainement une combinaison à faire. Faut connaître le code. Je pense qu'il y a le code quelque part. Faut trouver ce foutu code. Montre-leur comment on danse. Code. Alors, là comment faire? J'ai trouvé un plan. Manoir d'Orsay. Ok, cocktail de musique. Donc il faut aller là-bas en haut. Alexis adore son module Carnassus. Ok, d'accord. Donc il faut aller en haut. Il faut récupérer le code là-bas en haut. Ah, mince, 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 mince.
Peut-être que c'est possible, on va voir. Ok. Ok. Là, on peut faire ça. On peut éventuellement glaner le code, là. Ok. Donc c'est la première fois que je me rends là, hein. J'ai pas eu... Alors, une raison d'aimer. Mon très cher monsieur Alexis Dorsey, j'ai le regret de vous informer que votre réponse initiale à l'interview du programme E.ON a été rejetée. Non. Pas parce qu'elle était nulle, mais parce qu'elle atteignait un tel sommet de nullité que je ne pouvais même pas gaspiller les quelques éléments nécessaires. Alexis, tu as ici l'opportunité d'avoir tous ces pecnos en train de lécher les pattes du loup. Donne-leur ce qu'ils veulent, donne-leur une raison de te vénérer, Juliana. J'ai demandé à Gideon... de déposer ta contribution à la bibliothèque, le code de son coffre est 0673. Il a promis qu'il serait à midi du premier jour. Ok. Il n'a pas l'air d'avoir apprécié. Il y a un coffre. Ce qui veut dire que je vais adorer. Ok. Il y a quelque chose dans le coffre. Ok, on ira voir. On avance doucement hein, pour éviter de se faire avoir là. N'exagère pas, Colt. Il est là ou pas? C'est bien ça. Ok. Alors, d'abord... on va regarder le Minitel pour voir si on a des messages. Egor Alexis. Ok. Ok, rien de particulier non plus. Il demande si elle vient. Ok. Alors, son expérience ayant échoué, Egor a décidé de venir se saouler au manoir d'Orsay, c'est très bien. Alexis a invité Wenji à sa fête, l'étiquette n'est pas son fort. Ok. Et Alexis n'avait pas invité Ariette à la fête, puis il l'a fait, puis il a annulé son invitation. Ok. Écoutez, on va voir pourquoi, là. Là, il y a quoi? J'ose pas encore rentrer, j'ai peur qu'il y ait un piège. Alors là, il y a quoi? D'accord. Ok, donc on va récupérer les balles. Pas mal. Allez, on va rapidement voir ce qu'il y a. Là, on peut sortir par là. Ok, je vois où on est en fait. On peut aller par le toit. Je vois très bien où on est. Est-ce que je peux le pirater de là? Non, je peux pas le pirater. Ok. Donc... serait-ce le plus beau combo de son jamais composé par mes soins? Non. Serait-ce une fresque sonore sacrée invoquée, rien de pur, rien d'autre que mon imagination turgescente et ma bibliothèque gros calibre de rythme puissant et palpitant? Non. Ce n'est en fait rien de moins que l'apogée de la réussite humaine. Oserais-je jouer une perfection aussi glorieuse à ma fête? Oserais-je partager cette création et risquer de faire fondre les visages de mes tristes petits louveteaux?
Oserais-je mettre la honte à tous les moutons grâce à ma danse de la dominance alpha d'élite? Non, je dois rester humble face à mes invités pathétiques, mais bon sang, ceux que j'ai envie de danser sans retenue. À la hauteur des talents musicaux, il aime toujours danser. Ok. Alors, 2, 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3. Ok. 2, 1, 4, 3. On va essayer. Là, on va voir ce qu'il y a. Il y a peut-être quelque chose. Pas besoin de munitions. La minute. Ok. Donc, il adore danser. Il y a rien d'autre là. Là, il y a quoi là? On peut y aller. Oula. Ok, j'ai fait le tour en fait. Et là, il y a quoi là? Ok, là. Ok, on va la fermer. Il n'y a rien de particulier. Alors. Ah, j'aurais bien voulu avoir un module là, mais on va faire comme ça. En espérant ne pas se faire voir. Voilà. Alors c'était combien? 2, 1, 3, 4, c'est ça? Ça non? Ah, je me rappelle plus du code. Non, je me rappelle plus. Attendez, on va revenir. C'était combien? 2, 1, 3, 4? Non, c'était 2, 1, 4, 3, pardon. 2, 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3. Deux, un, quatre, c'est parti. On va voir là. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pige pas. Pas compris, montre-leur comment on danse. 2, 1 et 4, 3. C'est ça, hein? Et ensuite? De 1, 4, 3. Peut-être qu'il faut changer celui du haut, je sais pas. 2, 1, 4, 3. Oula, j'ai failli me faire voir. 2, 1, 4, 3. Peut-être qu'il faut changer celui du haut. J'ai pas compris. Donc c'est ça, je sais pas. Donc on a combien? 2, 1, 4, 3. On va encore vérifier. 2, 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3. On va faire ça. Alors, mince. Il y a quelqu'un qui me voit. Alors.
Ouais, d'accord, ok, tu es Alexis. C'est lui. Ok, 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 ok. Donc ce qu'on va faire... Je vais faire ça. Et il va buter ses potes. Il a buté ses potes ou pas? Non? Alors c'est parti en sucette là ou pas? Ok. Aïe. On a trouvé Alexis, mais ils sont pas armés, j'ai l'impression. Allez, bute tes potes. Mais pourquoi il bute pas ses potes, lui? Si, c'est bon, il bute ses potes. Ok. On va faire ça comme ça. Pour l'instant, il me voit pas. Alors, on va éliminer Igor aussi. On va récupérer le module. Allez! Tu sais qui c'était pour moi? Tu nous enfermes tous dans ta chute! Ah, je vais mourir. Ouais. Non. Non, la boucle, non. Je voulais prendre de la vie. Non, c'est mort. Allez, faut se tirer. Faut se tirer et récupérer notre dû, quoi. On va taper les gens. Mais comment ils me voient là? C'est pas possible. Comment ils savent où je suis? Bon, on va s'en sortir. Ils savent où je suis, là, j'ai pas compris. Quoi? Non, ça va. Allez, on va essayer de faire ça comme ça. Ouais, je pense que c'est pas la meilleure méthode hein, pour buter Alexis, mais j'ai trouvé celle-ci pour l'instant, moi. Quoi? J'espère que c'est pas grave.
Non, là je vais mourir là. Vous allez me foutre la paix là les gars. Vous allez me foutre la paix. Non. Ils sont nombreux. Allez, de la vie, de la vie, de la vie, de la vie. Faut pas que je meure, là. Faut pas que je meure. Mais comment ils me voient? Mais c'est ça que je pige pas, là. Normalement, ils sont pas censés me voir. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Allez, je vais tous me les faire, hein. Il n'y a pas de possibilité, j'ai l'impression que l'IA fout la merde. Allez, viens. Y'a quelqu'un? Ils sont combien là? C'est pas possible, j'en ai buté une cinquantaine. Lui. Ok, je vois. Ouais, ok, d'accord. Tu es le mieux cette fois-ci.
Ok, il me voit pas. Allez, on va se tirer. Je vais vite en récupérer le résidium. Donc portée affecte plusieurs ennemis en même temps. Regagne la santé, ouais bon je préfère le silencieux, il y en a une deuxième. Récupère de la santé. Après on peut les prendre, hein. Les infuser plus tard. Enfin on peut les... Les dissocier. Et il est où mon résidium? Il est là, d'accord. Ok, bon, on a fait un peu le tour du manoir. Il y a du résidium là aussi. Ouais, pas mal. Là, c'est bon, on a tout. Ah, c'était chaud là! Je pense pas que ça soit la meilleure solution, c'est dommage. Mais bon, pourquoi pas. Allez, on va récupérer des munitions là. Ouais, on récupère des munitions, surtout celle du fusil à pompe, pas très importante. Y'a du monde là ou quoi? Ouais, y'a du monde. Attends. Oh là 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 là. On va essayer de passer par en haut. Voilà, on va passer par là. Y'a de la vie ici, de la vie ici. On va essayer de faire en sorte. De pas tomber, voilà, c'est impeccable ça. Alors, il est où le mec? Lui, je vais faire ça comme ça. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais comment ça, je peux pas te pirater? C'est pas normal. Putain de perte de temps. Ok, on va essayer de descendre là, vu qu'il n'y a plus personne. On va récupérer notre résidium. Cool. Impeccable. On va voir ce qu'il y a ici, je suis jamais allé en bas en fait. Un seul homme qui boit ça. Je voulais aller une fois mais j'y suis pas retourné. Il reste des bouteilles. D'accord. Coupe les robinets. Ah, d'accord. C'est peut-être une autre façon de... C'est peut-être une autre façon de buter Alexis. Enfin, je pense, hein. Et c'est peut-être une façon un peu moins risquée. Oula. Ok. Mais c'est quoi cette blague? J'ai pas touché. J'ai pas touché.
J'ose pas, j'ai peur de perdre tout mon résidium, maintenant qu'on l'a buté. Y a qui d'autre ? Il y a Egor, Alexis, le loup de l'agneau, Cernic refuse d'admettre qu'ils ont fait du même bois, mais tous les deux ne détonnent pas dans une réunion autour du cul anonyme. D'accord. L'un des passes du Rakt et Knockout, ok. Alexis exige sa propre playlist de vrai DJ, ok, d'accord. Quelqu'un a caché un coffre-fort dans une grotte située au manoir. Ses glyphes renvoient à différents lieux d'Updown, d'accord. Frank tire sur des feux d'artifice tous les soirs. Y'a quoi d'autre? Et lui, il est où, lui? Egor. Doit être quelque part, c'est pas possible. Et en haut, ça va où, là? Ça va où, ici? J'aimerais bien savoir. Oh, j'ai pas envie de... pas envie de tenter le diable, mais je vais quand même essayer, juste pour voir. Non, c'est pas possible, mais comment il me voit ? Mais comment il me voit ? C'est pas possible. Enfin, franchement, c'est ouf. Allez, on va se tirer par où on est venu, là. Ça sera plus simple. Attendez, faut pas que je fasse le con là, parce que je n'ai plus de vie. Faut que je quitte Updown en toute sécurité. Et pour ça, on va passer par les toits, on va pas se faire avoir. Je vais me tirer par là. Il y a une mine ici. Il y a une autre mine. J'ai pas trouvé Egor et ça m'embête un peu. Ok, normalement ça doit pas être compliqué là de se tirer. Quoique... ils vont peut-être me mettre des mobs. Ah ouais. Non. Ouf. Mais Egor, il est où Egor? Egor, Alexis, le loup de l'agneau, Cernic refuse d'admettre qu'ils ont fait... Bon, je sais pas où il est. Il me le mentionne pas là sur Cocktail de Musique. Je sais pas.
Je sais pas, c'est pas grave, on va y aller. On a plus de vie, hein. J'ai pas envie de tenter le truc et perdre mes 30 000 résidium. Oui, on met les bouts. Il reste toujours demain. Malheureusement. Ok, mort de chez mort, vous avez tué un visionnaire et pris la fuite par les tunnels, d'accord. Alors là, je pense qu'on va attaquer le plan final. Egor Serling en vie. Alors, je sais pas où il est. J'ai découvert un moyen de démasquer Alexis. Il pourrait y en avoir d'autres. Ok, je pense avoir identifié Alexis. Il y a qu'un moyen d'en être sûr, faire couler le sang. Juliana livre un coffre Alexis à la bibliothèque vers midi. Le code est 0673. Ok, faut accéder à la bibliothèque à midi. Alors, on a récupéré... On a récupéré deux améliorations. Retrait récupère votre récupère une petite quantité d'énergie en infligeant des dégâts aux ennemis avec chaos. Ça ravigote très bien. Et on a récupéré portée. Utilise Carnassus pour repousser plusieurs ennemis et respirer un bon coup. Pourquoi pas. Mais enfin, c'est pas ce qui me botte le plus. On va faire continuer. On va faire résidium. Alors là. Vampire, vous récupérez de la santé lorsque... Ok, bon, on va déjà prendre celui-ci. Il est plutôt cool, on va l'infuser. Lui, on va le sacrifier, puisqu'on en a que faire. Et lui, pareil, on va le sacrifier, puisqu'on en a déjà un. Ensuite. Au niveau des breloques, on a pas mal de choses. Donc je vais faire gain 4000, là, déjà. On va aller dans les améliorations modules, ceux-là on va les infuser. Obligé. Au cas où. Et ensuite on nous reste 12 000 pour récupérer des breloques. Donc on a quoi? On a perforateur. Holster rapide. Votre chargeur, d'accord. Pouvoir bloquant. Bon, ça on va les sacrifier. Voilà, breloque personnage, qu'est-ce qu'on a? C'est l'heure de la fête, vous subissez moins de dégâts lorsque des gens sont tout prêts en chasse. Ok, ça c'est pas mal, ça peut être intéressant. Pistolero, vous infligez beaucoup plus de dégâts lorsque vous maniez deux armes. Baroud d'honneur, vous infligez énormément de dégâts lorsque votre santé est faible. Suture rapide, vous régénérez plus de vie. Alors, on va déjà enlever les tout blancs. Parce que je sais que... Je ne vais pas les utiliser. Voilà. On va faire ça comme ça. Et là, on va garder quoi? Le AK Magic King peut faire sauter les appareils piratés, les radios piratés, éclaireurs exposent en cas d'alarme. Le AK Magic King pirate à la vitesse de l'éclair. Ça, c'est pas mal aussi. Franchement, je sais pas quoi garder là. Breloque de personnage. Je préfère breloque d'armes en fait. Alors, breloque d'armes, je vais mettre la vitesse de rechargement, celui-là je vais le garder. Je vais garder aussi, votre chargeur font toujours la même taille, mais ils contiennent encore plus de balles. C'est cool. Réduit grandement le recul, non. Infliger dégâts à un ennemi, non. Perforateur, réduit le recul. Je pense que là c'est bon, on va voir là ce que j'ai. Je vais infuser ça, je vais le garder. Et ça aussi, mais en enlevant quoi? Régénère beaucoup plus de vie, ça je vais le garder aussi. Et régénère votre vie si rapidement que vous rajeunissez presque. Ça je sais pas par contre c'est quoi. Est-ce que c'est... Ouais, on va le garder je pense. Allez, je vais enlever pistolero. Donc c'est retour triomphal et suture rapide. Vous affligez énormément de dégâts, non. C'est l'heure de la fête, non. J'en ai deux. La dispersion des tirs grandement... Non, je vais faire comme ça. Je vais garder suture rapide.
Et retour triomphal régénère beaucoup, beaucoup plus de vie totale. Ça a l'air pas mal aussi. On va enlever ça. Ça. Mèche lente, on s'en fiche. Ça aussi, on va l'enlever. On va garder ça. On va enlever tout ça. Ça, je l'ai déjà. Breloque d'armes. On va... Perforateur, j'aimerais bien le garder. Le recul, non. Holster rapide, je l'ai. Tireur mobile, je l'ai aussi. En légendaire. Sensu, je l'ai. On va faire comme ça. Allez, on va garder perforateur. On va supprimer celui-là. J'ai combien? 12 000. Allez, on va l'infuser. Et on va garder un des deux. Je vais sacrifier ça. Ça, je peux pas. Tant pis. Voilà. Et on commence une nouvelle journée. Ok. Donc, ce qu'on peut faire, vu que maintenant on a assez d'informations pour un peu de tout, ce qu'on peut faire, donc, dans un premier temps, alors attendez, est-ce qu'on a terminé là, dingue, donc lui on sait comment le buter, lui aussi comment on peut le buter, mais sauf que Egor je l'ai pas trouvé, je me demande où il est, trouver le code, la cachette des amants, sécurisée par un drôle de système, c'est la baie de Karl, je pense qu'on va faire ça. Ensuite, saboter les caches. C'est quoi ça, saboter les caches? Ah, la baie de Karl. Ok. La baie de Karl, il y en a deux, d'accord. Il y en a deux. C'est la baie de Karl, hein, on est d'accord. Ouais, c'est... Ouais. Non, c'est pas la baie de Karl, c'est quoi? Oui, c'est ça, c'est la baie de Karl, pardon. Donc là, on a deux. On a deux missions qu'on peut effectuer... Là, fouiller le centre, Yassen, bah écoutez, on va le faire aussi. Là, c'est tout bon. Alors, ce que j'ai envie qu'on fasse, on va faire fouiller la baie de Karl. On va buter un visionnaire, on va trouver le code, on va saboter les caches de Franck. On va... Ensuite, à midi, on ira... je me demande si c'est possible de mettre de changer l'alimentation à midi. Je pense que oui. Pour ensuite aller en après-midi et récupérer un nouveau code. Parce que là, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste pas grand-chose. Là, il y a le complexe. Désactiver, dériver le courant. Au petit matin, up down, ben, il n'y a pas grand-chose. Il y a le rocher de Freestad si on veut buter Franck, mais on pourra le buter autrement. Donc on ira sur la baie de Karl. Parfait. Bah écoutez, restez connectés. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et puis quant à moi, je vous dis à très très vite pour la suite de ce Deathloop.